Salut les gens, c'est Tardari, je suis en compagnie de Mélomane, pour une fois. Parti, Et on s'apprêtait à parti. cliquer sur un bouton après avoir massacré des loups-garous, des chauves-souris et des rats géants. Appuyez sur un bouton, parti, parti. Cliquez sur le bouton. Changer, moi je clique sur le bouton. J'aime bien parce que quand tu cliques sur le bouton, il y a marqué vraiment Astérix clic, point d'exclamation, Astérix quoi, ça plume. Bon, moi je monte à l'échelle. Voilà. Ouais, fermez la porte. Non, je monte à l'échelle. Cool. Oh, c'est cossu ici aussi. Bah, il y a un bouton, je clique dessus, voilà. Vous vous en battez les couilles en fait de l'énigme, c'est super. Ah non, on a cliqué. Mais là, mais... Pardon, c'était pas là, désolé. On revient, pardon. Mais non, bah si, bah, techniquement c'est là où vous êtes, mais si on va par là, ça va faire un bon gros détour, quoi. Ah bah, ça a fermé la porte, en fait. Bah, on n'a pas le choix, du coup. Ah si, si. On pourrait recliquer sur le bouton. Bah oui. J'ai recliqué. Alors attends, vas-y, je vais t'aider, sors de la pièce. Non mais... D'abou David. Allez, hop. Oui, non mais ça ouvre de l'autre côté quoi, c'est ça que t'es en train de me dire. Allez, bah, bisous. Oh, il y a des luttes. Un coffre opulent. Bon, moi je fouille. Hein. Bon, j'ai trouvé un coffre, j'ai cliqué dessus. Bon, on va voir si vous avez l'œil. Parce que celui-là il est technique. Je tiens à dire que c'est y a un endroit. Viens. Là je peux. Je t'ai cliqué sur le bouton. Putain, bah, j'ai des beaux vêtements là que j'ai looté. Attends deux secondes. Bah, j'ai cliqué sur le bouton, t'as sorti de la pièce. C'est bon, je suis sorti. Moi, middle. Sympa. Oh, celui-là est classe. Dabou dabi daboubi boubi. Attends, si tu veux, moi j'ai pris une petite sélection. Celui-là, il est chaud. Oh, mais regardez, je suis en tenue de... Servante. De serveuse. Hein ? On dirait une serveuse de l'Octoberfest, quoi. Ah, yes ! Une bière ! ok, donc on a cliqué sur les boutons et... Bah, on a trouvé un cadavre. Et non, mais ça, y a un truc supplémentaire dans cette pièce à découvrir, mais il faut avoir l'œil. Moi, j'ai l'œil et j'ai le bon. Ah bah si, bah... Je te laisse chercher. Je bouge tous les meubles, je sais pas. J'ai pas dit mon dernier mot encore. Mot. En un mot, mot, deux mots. Momo. Momo. Exactement, bravo à tous. Je cherche un deuxième bouton. Mais t'as fini de tout péter. C'est pas derrière cette armoire. Peut-être derrière cette armoire là-bas. Il fait trop de particules, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je vois. Non. Eh, hey, casse pas le tableau. What? T'es bien. T'es vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Moi j'essaie de voir des trucs à... Arrête. Ouais bon... Je vais l'atteindre avec le tapis dessus. Ah oh voilà, enfin. Putain, ce truc que j'ai pas pété, attends. Ouais, tu peux pas le faire. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi tout. J'ai bougé un coffre. T'as déplacé le coffre? Ah. Et il y avait une trappe en dessous. Dabou dabi. Yabou gabi gaboui. Réussite critique. J'ai d'observation. Parfois je déteste mettre ton volume à 100%. C'est quand je me rapproche vraiment du micro là. Ouais, à peu près. Exactement ça. Oh, on dirait qu'on est chez les nains. Ah, j'ai marché sur une trappe, ça a fait clic. Eh bah, bienvenue chez moi, messieurs. Et du coup, si je marche là, ça fait clic aussi? Non. Bah, si on se met des deux côtés, les gars. Tous les deux en même temps. Waouh! Let's go! Ah, les libres de fou. Ah, ouais, allez, allez, hein, ciao. Ah bah attends. Non mais regarde, parce que il y a les idiots et il y a les gens bien pensants. Il y a les vrais. Parce que moi je suis coincé dans la porte là. Mais non mais tiens regarde. Dabou dabi. Voilà. Dabou dabi. Dabou dabi. Non mais c'est sympa la déco. Ouais mais c'est là. Perception ratée. C'est du bel ouvrage quoi, j'ai envie de dire. Ouais c'est sympa. Elf de merde. Il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Et puis des cadavres.
Bon, les petites caisses, hein, allez, déjà, bon. Allez, je t'ai eu le piège, là, regarde, tu tires dans la caisse. Tiens. Oh. Il faudrait mettre un truc sur le dernier truc où ça fait clic. Bah oui, mais où est-ce que ça fait clic? Là. Voilà. Arda, Arda, il passe un bon moment, j'ai l'impression. T'arrives à revenir vers nous pas, pourquoi tu veux pas désarmer la tête de gargouille, surtout? Qui ça, moi? Bah ouais, ou alors attends, je vais la désarmer s'il y a que ça. Ah, je peux pas. Non, mais c'est pas que je veux pas la désarmer, mais c'est juste que t'es devant. Tu crois que si on tombe là-dedans, on meurt? Mais attendez, mais attends, parce que là, c'est la suite, il y avait plein de trucs à faire avant encore. Non, là, c'est pas vraiment la suite, c'est pour ça, c'est vu que là, c'est une zone un peu secrète bonus. Mais par contre, je dois dire que... J'ai chier à désarmer le truc là, on m'explique? Non, mais ça sert à rien, reviens. Non, bah oui. Voilà, mais pour la beauté. Mais là, mais qu'ils usaient. Il y a eu des gens, ils ont eu chaud. Ici, quand j'ai fait la première run, il n'y avait pas encore de... J'ai pas trouvé de solution à l'énigme, hein, et on sait... je sais pas si... Ah quoi? C'est qui a sauvegardé là? C'est moi. Ah d'accord. Il y a un coffre ici. Ah! Il y a un piège aussi. Le bourrin. D'avou d'avis. Donc ouais, ici il y avait une... Je sais pas si c'est une énigme qui viendra ultérieurement ou si c'est déjà possible de la résoudre, mais il y a une énigme dans cette pièce et... Ok, d'accord. Ah, jet de perception loupé. Là où je suis, il y a un jet de perception si jamais. Je sais pas si je clique sur la... Clique. Ah merde. Poser une caisse dans cette gargouille de... Donc voilà, ça s'est pété. Il est où l'autre truc là? Derrière la caisse. Je l'ai esquivé le truc. Donc ouais, ici il y a un truc à faire avec. Un truc. Il y a hein plus le... Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Il y a plus le truc qui fait que je peux relancer le rôle direct. Je suis obligé de recommencer, de cliquer sur désamorcer et tout à chaque fois, c'est chiant. Bon par contre... Ah, succès critique. Ouais, plein de trucs dans le coffre, je te laisse trier. Ouais, il y avait que des trucs pour moi là-dedans. À aucun moment il y avait un élixir pour... Ouais non, je l'ai absolument pas vu passer dans la liste des objets hein, en plus, vraiment, je pense que... Est-ce qu'on peut sauter par dans... Dabou Dabi... Dabou Dabi... Là j'ai plein d'outfits là. On dirait qu'on pourrait, il y a plein de trucs en dessous mais... Ah tiens, je t'en envoie un qui attaque, paf. Oh, non, l'élixir de battle match c'est pas pour moi, c'est pour Arda ça, paf. Je me suis dit que si je te filais tout, t'allais faire le tri pour moi. Elixir du colosse, bah ça peut être pour toi. Paf. Ah, il y a encore une tenue d'Octoberfest, je crois. Bon. Oh. Je peux être ton ta contrepartie masculine avec la tenue angélique. Incroyable. Non, mais je ne serais pas comme ça. Bon, par contre, où est-ce qu'on va? Ah, feuille morte. Feuille morte, il veut pas que je saute dans le vide, hein. C'est bien dommage. J'ai essayé, mais il veut pas. Moi, je pense qu'il y avait un truc à faire avec les lampes ici, mais est-ce que je dis sur la première run que j'ai fait, il y avait ça. Ah bah attends, t'as héroïsme aussi. Pif. Mais je sais pas si ça a été implémenté entre temps ou pas, donc. Il y avait une énigme normalement dans cette pièce. Pour toi, faudrait allumer toutes les lampes. Ouais, j'avais fait un truc comme ça. Il y avait un levier cassé, je sais plus où. Il y avait potentiellement un truc à faire dans cette pièce. Bah après, je vois pas trop ce que ça pourrait ouvrir parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs en fait. Bah t'as pas des portes de. Je porte teste de un truc. Ouais, mais il y a rien. Ah, de résister, là. C'est pour la science. Tu vas te jeter dans le. Non, ça veut pas. Déception sur 20.
En vrai, la seule porte où il y a rien, j'ai l'impression que c'est celle-là. Mais du coup, c'est pas une porte, donc ça paraît logique. Et il y avait un levier pété. On dirait qu'il y a des roues. On dirait qu'il y a des roues derrière. Ah, quoique, non, ils sont tirés. Normalement, il y avait un levier, je crois, pété quelque part. À moins que vous ayez fait exploser le truc. C'est pour. Bah après, il y a bien là, quoi, où on n'est pas allé, mais. Ah, mais rien. Ah bah, ça doit, c'est ce que je dis, ça, je sais pas si ça a été implémenté entre temps ou autre, mais je pense que ici tu devais avoir une quête secrète, ou alors c'est du contenu qui a été retiré à la fin, mais... On est où là? Ça s'appelle comment cet endroit? On est au truc de Cazador. Château de Cazador. Ouais. Je suis en quartier. Honnêtement, je vois rien qui ressemble à un mécanisme permettant d'ouvrir un truc. Ah merde, attends, ça a refermé la porte. Ah. Bah attends, vas-y, sors Arda. On va remonter. Ah. Ouais, bah tant pis. Alors, bah, ils ont pas encore dû l'implémenter, ou alors ce sera pour ultérieurement, je sais pas, mais. Mais c'est dommage parce que il y avait des leviers pétés avec des trucs que tu pouvais réparer, tu pouvais faire clic, ça faisait des trucs dans la pièce, c'était. Ça faisait des clics, des claques, des cracks. Exactement, et des clouks. Moi je récupère l'argenterie. Hein. Vas-y, s'il te plaise. Vous êtes allé dans la pièce là-bas? Ici vous êtes allé? Vous êtes où là? Ah, vous êtes bah, où? Bah, moi je suis dans le bureau du. Je sais pas si vous l'avez fait ici. Non. Mais t'es où? Bah, je suis allé dans le. En gros, dans la grande pièce où on était, il y avait un petit bureau, mais c'est bon, j'ai tout pillé, je crois. Check, non, y'a rien derrière. Comment on fait pour rouvrir la porte par là où on pouvait monter à l'étage? Attendez, j'ai trouvé un ascenseur là. Ah oui, non, c'est après ça. Bah oui, c'est la suite ça. Où ça? Non, y'a l'endroit. Non, mais attends, je peux rouvrir la porte là-bas. Le loup, mais par contre, faut que tu cliques sur le bouton alors. Allez, vas-y, j'y vais, je te libère. Bip. Tiens, oh, super, je suis sorti. C'est bon? Ouais. Bidida. Bah, ouais, faut qu'on aille en haut en fait. Ouais. Et après, faudra qu'on clique sur le truc là-bas. Alors, c'est pareil ici, hein, t'as 40 trucs à. Ah, merde. Y'a une porte. Y'a pas de truc à looter en plus, hein. Je vous préviens. Putain, la palissandre, c'est si beau. La quoi? La palissandre, c'est une essence de bois. Ah, c'est pas le? Bah, je sais pas, moi je disais là, mais c'est peut-être le. Ah, c'est une vraie question. Ah oui, y'a des petites lettres pour savoir en fait qui était enfermé ici. Jackie. Et Josie. Attends, il y a Tarsac 14 machin, je te les envoie Arda. Ouais. Ou tu t'en fous? Je sais pas, c'est un livre. C'est des lettres en fait de la personne qui était ici. D'accord. Alors, dans les faits, oui, je m'en fous. Bah, c'est l'histoire de la nièce de Cazador qui est pas chaud de. Pour devenir une vampire. Et vu qu'elle aime pas trop ça et qu'elle essaie de trouver un remède et que son oncle, bah lui, il est à fond, il est turbo. Ouais, les vampires, c'est trop bien. Et bah, il a décidé de l'enfermer dans le grenier pour qu'elle crève de faim. Et qu'elle accepte sa nature. C'est cool, hein? Sauf que bah, elle apprécie pas trop et elle a envie de le buter à la fin. D'accord. Ça peut se comprendre. Il a quand même été sympa de lui laisser une plume, un encrier et du papier. Hein. Ouais, puis t'as vu l'espace qu'il a. Le grenier, c'est la taille d'un immeuble, quoi. Oui, d'accord, mais bon, quand tu crèves de faim, à mon avis, d'avoir de la place, tu t'en fous un peu, quoi. C'est à peine la moitié de mon appart.
À peine. Bah, on a fait le tour ici. Ah. Ah, tu vois, en plus, il y a pareil, un petit chevalet de torturé ici. Enfin, je pense qu'il a pas fait que l'enfermer. Et je ferme la trappe avec le tapis dessus. Il y avait un dernier bouton, je crois qu'on a oublié de le cliquer. Où ça? En bas. En bas? Où ça? Dans ton étage. Eh, ça vous dit de venir là où je suis? T'es où? Ah je suis devant le trésor de Casador. Quoi? Alors, c'est bien. Putain, merde, le bouton, il est où? Ah, il est là. Oh, sympa. Encore un truc qui est où tu... Il est où, ce nain? Bah, je suis coincé. T'inquiète, t'inquiète. T'as vu, il est beau le trésor, hein. Hop là. Ah, plus trésor. Ah. Comment ça, plus trésor? Ah merde, putain. Bah, j'ai pris l'argent. Oh, il y avait tout de suite 5 PO, quoi. Pourquoi j'arrête pas de me coincer? Non, il y avait 250. Ça marche pas, le bouton ici ne marche pas. Celui derrière le vase. Bah, putain, j'ai cliqué dessus. Non. Allô. Bah, moi, je suis coincé dans la porte. Ah. Donc il faut que Arda... Arda appuie sur le bouton. Quel bouton? Sur le côté droit de la porte. Mais non! Merci, je me crasse. Donc si jamais j'ai chopé les clés du catacombe de Casador. Hein. Et vous êtes allé jusqu'en... Ouais, vous avez fait aussi étage avec l'échelle? Mm-hmm. Oui. Oui. Bon bah voilà, c'est... C'était le grenier. Il est sympa, hein, franchement, une bonne hauteur sous plafond. À mon avis, il y a moyen d'aménager les combles. Hein. Là, tu peux en faire 4 maisons. Mais... Ah bah ouais, hein, carrément. Moi, franchement, je mets mon appart là-dedans, je suis refait. Bah ça va. C'est un duplex, mais pas un petit duplex. C'est le grenier qui a besoin d'être refait là. Ah, oh, t'imagines, tu fais une super mezzanine là en haut. Pa, pa, pa. Alors, c'est des combles. Ouais. Hein. Enfin, Bon, du coup, on va où maintenant? Ouais, d'accord, ok, mais t'as fait la gueule des combles, enfin personnellement, des combles comme ça, moi ça me dérange pas. Non, c'est parce que je l'appelle le grenier. Donc... On a pas fini en fait, il reste une zone là où on n'est pas là. Allé encore. Bah, le bureau c'est. On n'est pas allé là encore. Bah, j'y suis allé ce. Là où je suis? Oui. C'est le bureau dont je vous ai parlé, que vous étiez pas venu. J'ai récupéré des lettres sur le bureau. Il reste des trucs à lire et tout. Ah bah, vas-y, hein, si tu veux lire, lis. Non mais je sais pas que je veux lire, mais je veux juste qu'on nous perçoit les élus pour... Si on nous pose des questions, on les aura, quoi. Hein? C'est ça, Lady Incognita. Amanita is no more. Amanita? Ouais, elle s'appelait Amanita avant. La Pokémon? Ouais, c'est ça. Allez, moi j'ai cliqué sur la passerelle, je me casse, ciao. Peut-être qu'on va aller avec lui, hein. Attends, je termine les bouteilles dans le coin. Là. J'ai cliqué. Ah, il se passe rien. Super. Stand on a clean metal platform. There are some scuffs to show its age. Signs of things dragged onto it over the years. But it seems to be in good working order. Oh, descends dans les profondeurs du palais. Manifestement, je suis tout seul. Tu nous raconteras. Hein. C'est toujours une bonne idée d'aller dans les profondeurs du palais d'un seigneur vampire tout seul. Ciao les nazes. Bah, je préférerais que le gars avec la masse en radiant passe devant, je t'avoue, quitte à choisir, mais. Bon, ouais, tout de suite. Ah, bah y'a un TP ici. Quoi? Bah, j'ai trouvé un point de TP. L'ancien cercle de symboles, des catacombes de Casador. Et on va tous devoir faire ce dialogue. On doit y aller chacun notre tour, quel enfer. Quel... Tu vois que ça a pas été mesuré pour le multijoueur là. Bien mort. Oh. C'est essayant. Et là je pousse le nain. J'ai très envie de faire ça, par du coup je vais le faire. On est bien d'accord que c'est un pont qui est là. Mais du coup on est bien d'accord que c'est un pont qui mène de base à rien. Non. Bon bah je suis descendu.
pas là où je voulais aller. Bah écoutez, je sais pas si vous êtes là, mais je peux ouvrir la porte en tout cas. Bah... Je crois qu'on peut tous descendre là où t'es, non ? J'ai perdu 13 PV. Mais putain, j'ai fait Phaserfall. Attends ! Bah il est où Arda ? Ah, perception ratée. Ah bah voilà. Perception ratée, on a un deuxième dans ce coin-ci. C'est pas un cadavre, c'est un cercueil, ça me fume. Annulé. Putain, le truc était enseveli mais piégé quoi. Ah, j'ai pas de jet de perception ici, Katox. Non, mais c'est peut-être parce que... Non, Arda, traverse pas. Il y a un Balrog qui va pop. Ouh. Le pénitent le passe. Ça fait un peu le pont Kazakh Doom. Il y avait une épée rose, je l'ai filée à Katox. Oh, de toute façon, bon, maintenant, je m'en fous. Hein. Je trouvais mon arme. L'âme du soleil de Pelor. Et là, c'est la fête à la compo. C'est sympa. Hein. C'est la fête ressemble à quoi? Dans les caisses, il y a plein de compos pour Arda. Il y a peut-être des Crodoworg. Aussi des toxines. Il faut gland. Ouais, je vais pas dans l'eau, dans la soute caustique là. Bon. Il y a un but de son. Alors, huile d'affûtage. Ah, on a trouvé une tente. Pour Menmir. Toxine de vouivre, c'est pour Menmir. Là, il y a une porte verrouillée si jamais. Ça, bah, je sais pas, j'ai pu sauter là, ça avait l'air chouette, mais ça ne mène nulle part, je suis un petit peu déçu. Ça va être pour Sulrea. Tréfaux-gland, ouais, cool. Toi aussi, tu l'as vu la tréfaux-gland ? Ouais. Ok. Open the door. Ferme la porte. Ah, manifestement ça nous emmène ailleurs. Ok, bon, on s'en fout en fait. Si, voilà. Mais on est là. Ah, mais on est juste au-dessus de l'endroit où il y a beaucoup de références. On est retourné aux obs de Katox, incroyable. Pourquoi bah, regarde ta carte. Oui. Tu la vois même sur la mine. Ouais, ça m'a pas sauté aux yeux, hein. Pourtant, ouais, voilà, voilà, ouais, c'est vrai que c'est c'était presque une poutre dans l'œil du voisin, hein, à ce niveau-là. Exactement. Non, je... Où ça, tu sais, devant, à 2 cm de mon œil. Et encore. Mais allez. Du coup, il y a autre chose ici. Ah oui, bah oui, il y a un endroit où on n'est pas allé en fait. Bah, en gros, il faut remonter. Déjà ici, il y a furieusement un bouton. Oui, ah, j'ai appuyé sur le bouton. Mais ça sert à ça. Oui, mais t'as voilà. Vu, c'est rigolo, hein. Quoi? Mais non, attends. Mais appuie pas dessus. Quoi? Mais il monte le truc. Attends, c'est un ascenseur? Mais oui, c'est un ascenseur. Ouais. Il a bugué, je crois. Bon, allez, moi je le fais à l'entraîne. Hein. Hop là, allez, bisous, hein. Ciao les gars. Ah, on peut faire comme ça? Incroyable. Alors, hein? Vous pouvez, mais moi je peux pas. Oui, c'est pour ça que faut que vous fassiez avec le petit ascenseur qui monte et qui descend. La cible se déplace. J'avais toujours franchement la vision de vous voir tous les deux. Hein. Oh. Là-bas, il y a un parchemin de nom. Ouais, c'est pour ça. Là, ça va être pour Arda, je crois. Ah, ou quoi que. Ah, je sais pas si c'est le... Attends, non, mais reste là. J'ai ouvert la porte. Oui, j'ai vu ça, c'est pour ça. Ici, il y a un truc... Putain, par contre, alors je sais plus si c'est... Je sais plus qui c'est qui le... Un parchemin de nom. Beaucoup de sont connus de la majorité des habitants de la porte de Baldur, même si la plupart des premiers... J'ai très envie de cliquer sur cette tête. Oh, j'ai trouvé un saphir avec 410 PO.
Méditation du seigneur vampire, à droite sinon. Je récupère les objets moi. D'ailleurs, Arda, ça me fait penser, on a fait le truc avec le livre et tout là. La première fois, oui, on est censé devoir le recommencer. Par contre, je sais absolument pas ce que j'ai fait du bouquin. Pourquoi vous parlez là ? Allô ? Du livre, du truc. Ah oui, le Necronomicon. Ah merde, sagesse. Ah, faut faire 15. Do it. Ah, voilà. Je suis allé tous les jours. Valiant's first lesson is always to dominate. Allow none to be your equal. Valioth recalls when Cazador reached out to a former friend. His punishment was to watch as Valioth drained his friend dry. Sympa. Allez, le critique. Second lesson is that power comes from solitude. To share with others is to be weak, and to be weak is to fail and die. Velioth recalls when Cazador rebelled against him. Cazador suffered 11 years of impalement because he failed. Sympathique. Ah. Voilà. Valiant's third lesson is to act not in haste. A near immortal has time to plan, time to act only when others will pay the price of action. Velioth recalls Cazador, his lessons learned, killing him in the rite of perfect slaughter. How they both laughed. Velioth recalls Cazador boiling the flesh from his skull, and then, to mock him, clamping his schooling scroll in Velioth's jaws. The skull's eyes flash a final time, and its jaws sag open. The scroll incroyable. All of Cazador's rituals is yours. Ça veut dire qu'on peut devenir un vampire. Velioth is no Do more. It. Ah, franchement, je suis chaud. Qu'est-ce qu'il fait ton pare chaud là hein? Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu comme parchemin? Parchemin de la messe noire. En déroulant le parchemin, vous voyez une liste de rites ignobles détaillant les multiples moyens de tourner la mort à son avantage ou de la rendre plus intéressante. C'est tout. C'est absolument tout. C'est bizarre, il y avait écrit qu'il y avait un quatrième souvenir sur le crâne tout à l'heure. Ouais. Ouais. Bon, y'a rien de plus intéressant à looter dans le coin là, parce que c'était un peu. Je croyais qu'il y avait un truc ici. Je suis déçu. Vous avez looté les coffres ? Oui. 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 Ah, tout est loot comme d'hab ou quoi. Bon bah, Bamos hein. Bamos à commerce. Qui à qui ? La porte de la crypte. Porte de la crypte. Ah mais c'est là où on était tout à l'heure en fait. Bon oh bah voilà. C'est bon hein. Just like the door to the ballroom. Oula. Chic, des gens à tuer. Dès qu'il ouvre la porte, j'attrape ses jambes, tu lui tiens je sais plus quoi. Ah ouais. Oh mais c'est des petits. Éternellement liés. Ah je sais pas s'ils sont vraiment petits. 106 PV en étant level 1 et humain. Ouais ça pue. Ça sent le... Oh, je suis un dialogue.
There's an almost physical stink of decay. Ah, bah avec des yeux rouges comme ça là, oui, bien sûr. Ça a l'air si bien. What are you? Ah mais c'est Castlevania. Sebastian. I'm not sure. It was all so long ago. The last thing I remember, I was drinking with a pale, beautiful elf. We laughed. We kissed. We stumbled back to this palace and... Ah, Starion, qu'est-ce qu'il a fait? Then it gets so dark. I woke up here. Like this. Ah, bah, loupé. You can't. C'est impossible. C'est impossible. Il n'est pas français. Ah. Alors, je vous ai vu là. What happens to us? Ah bah on vous butera aussi. I don't know. It's all I've ever felt. I'll try. I promise I'll try. Oh, il y aura tous, c'est des vampires. Do it quickly. I can't go on like this. Et on peut pas ouvrir la porte? Eh ben, super ambiance. Ouais, ça. Ah, vous voulez pas parler aux enfants là de ce côté? Si. Ah, les enfants vampires. Come closer. Smells fresh. Smells alive. Smells like. No, Chessa, stop it. This isn't you. The Gur camp. The Gur camp. Maybe? Yes, I think so. And you look a tasty treat. No, Chessa. No, gods, if only I could think. But this hunger. This is no ordinary hunger. This is the hunger of a vampire spawn. One that hasn't fed since it was created. You know him? Then you understand. His servant kidnapped us. The pretty one with the frilly clothes and white hair. One moment we're at camp, then the world goes dark. The next thing I remember, there's someone breathing on my neck. A tongue. And then the pain. All the monsters I ever met were in books. I never even made it to the adult hunt. But now I'm one of them. I'm a spawn. Please, if you've any mercy, put us down like the prey we are. Oh, mais bien sûr. Vous c'est déjà. That's true. I'll drink you dry as a desert. I'm sorry. It's the hunger. It's worse than anything I've ever known. No matter what I do, it just doesn't stop. Il y a toujours de l'espoir. Behind the exhaustion, starvation, and fear, recognition stirs in her eyes. And with it, hope. That's true. The book said so. The spawn are only bound as long as their lord lives. Cazador's got this staff.
It controls the doors. If you get it, you can set everyone free. If you get it, somehow. Behind the exhaustion, starvation. Cazador's got this stuff. Behind the exhaust. Cazador's got this stuff. J'espère que vos parents viendront vous voir. Good luck. If you fail, well, I suppose we'll be seeing you again in here. C'est positif. C'est sûr, bon, comme du coup, il faut peut-être prendre un peu de potion, ça, tout ça. Oui, je pense aussi. Là, je vais me boire une petite potion de soin là. Après, je pense qu'il va être moins chiant que le dragon, non? Attends, t'as 38 PV? À vous, oui. Pourquoi t'as 38 PV? Ah, j'ai 38 PV, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis mage, hein. Tu feras gaffe, t'as une malédiction. Que t'as 5 de constit en moins parce que tu subis la malédiction du codex de Tarkia. Ah, bah voilà. Par contre, je sais pas ce que c'est cette malédiction, mais... Il faut que tu te décurses comme tout à l'heure avec le scroll de retrait de malédiction. Scroll of stupidity. À quoi, qu'est-ce qu'elle fait cette malédiction d'ailleurs? Bah, 5 de constit en moins, c'est pour ça qu'il a 38 PV en fait. Bah oui, mais je sais pas, peut-être qu'elle donnait un truc de... Ah bah voilà. C'est mieux déjà. Ouais hein. C'est vrai que j'étais passé à 9 en constitution du coup, mais quand est-ce que j'ai chopé ça moi? Oh putain, il y a 2 épisodes. Ah ouais, t'as de vivre dangereusement toi quand même. Non, c'est pas grave, je suis pas mort. Ah bah oui, t'es pas mort, mais c'est pareil, tous tes jets de concentration, ça veut dire que c'était turbo difficile. Eh ben voilà, bienvenue chez moi. C'est énorme, messieurs, dames. Chez toi aussi, il y a les cages avec les cadavres qui pendent, là? Alors, non, ça, c'est une décoration complètement malvenue. C'est de mauvais goût, hein. Ouais, c'est un peu de mauvais goût. Hein. Nous, on fait pas ça, en général, c'est un peu kitsch, quoi. C'est de l'art nouveau. Il y a un côté potache, on va dire. C'est de l'art nouveau. C'est seulement le Seigneur des Ténèbres. Ouais. Ouais. Moi, j'aurais juste dit c'est de la nature morte, quoi. Oh. Ah oui. Allez, on va lui parler. Are you ready? 270. Ah, mais un peu plus. I believed all our guests had been dealt with upstairs. Werewolves leave so much to be desired. Wait! No! It cannot be. Were you the one who took my poor Astarion under your wing only to abandon him? On l'a jamais pris sous notre aile? Si? On l'a jamais pris sous notre aile! On lui a mis une dague en plein cœur, c'est pas pareil. C'était vraiment invisible. L'attaquer. Oh, please, I care not for your petty drama. In truth, you made all of this possible. Now that he is mine once more, I have everything I need. This ritual, this black mass that has been centuries in the making. Is finally ready. Witness the birth of the vampire ascendant. Ecce Dominus! Ouais. Ah, et ben là on va pouvoir rigoler. Est-ce que c'est sensible au feu, un vampire? Y a des chances. Sensible, en tout cas, c'est pas. Je peux pas lui foncer dessus là. Contre-sortie léger. Votre vitesse de déplacement augmente de 7 mètres, gagne 70 points de vie temporaire. Non, le bâtard, putain! Wow! Tous les sorts infligent 7 à 70 points de dégâts nécrotiques supplémentaires après avoir absorbé l'énergie vitale d'un rejeton vampire. Aïe! Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai entendu un non. Bah, j'étais encore pas dans le turn order, donc je voulais me mettre un petit oh oui, c'est vrai que j'ai ça. On va rigoler. Il y a combien? Ok, c'est parti. Mais pourquoi je suis encombré? C'est quoi cette bruse? Voilà, merci.
Ah bah de rien. Ah, si je mets ça là... Je crois que si je mets une zone de silence, ça les... Je sais pas. Je crois que je vais mettre une petite fin d'Adar là sur le milieu. Comme ça tous les gens vont se la prendre en... au passage. Oh putain, il a 20 en dex le salaud. 18 en force, 18 en consti, 17 en intel, 15 en sagesse et 18 en charisme. Il gagne 20 points de vie au début de chaque tour s'il n'est pas dans la lumière du soleil. Ou s'il prend des dégâts de... Oh putain, si tu lui balances de l'eau bénite à la gueule, ça retire sa régène. Qui est de l'eau bénite ? Ça sur le coude ? Moi j'en ai en tout cas. Fais-toi plaise. Je vais surtout lui taper dans la mouille. Par contre, avec tout Arda, le petit pack que je vais te faire... Arda, ça va être ton moment là. Ah ouais, là... Petite fire bouboule ? Attends. Le problème c'est que tout le garou joue après toi. Bonjour. Oh putain, je peux plus faire ça. Ah ouais, high defense, ça va être chiant ça. C'est un bâton qu'il a à la main là. C'est un bâton avec un truc très bizarre. Putain, mais je vais le toucher à un moment ou... C'est un bâton pour moi ça. Oh attends, il a un bâton. Putain, il save tout. Mais oui, j'ai balancé ses stats tout à l'heure, forcément il save. Non mais au-delà de ça, il a surtout des résists légendaires. Hein. Bah alors ça veut dire que là il a tout cramé. Bah je crois pas. Si, il peut les utiliser 3 fois par tour. Non, c'est 3 fois sur le combat. Non, il crie Ah oui. L'entité affectée à un plus 10 à tous ses jets. Un petit mur de feu serait pas mal, non? Ah bah là, dans la fin d'Adar en plus, ouais, il va pas y avoir beaucoup de place pour eux pour venir nous... Putain, j'ai claqué quasiment toutes mes manœuvres et il en a pris aucune dans la gueule. Bon, après, je vais retirer son PV. La cible est bloquée? Comment ça, la cible est bloquée? Oh putain, ouais, si tu lui mets un rayon dans la gueule de lumière, il a des avantages sur les jets d'attaque et sur les jets d'habilité. Un catox. Oh merde, putain, j'ai oublié de mettre le manteau. Avantage sur quoi? Si est dans la lumière du soleil, s'il est dans la lumière du soleil, Casador, il y a écrit Sunlight Hypersensitivity. La créature prend 20 points de dégâts radiants s'il commence son tour dans la lumière du soleil, et pendant qu'il est dans la lumière du soleil, il a des avantages au jet d'attaque et au jet d'habilité. Je vais me poser près de lui, là. Avec mon petit martal. Ah. Pas bête, lui. Ah, il est pas con, lui. Lui, en revanche, il est con. Il s'est bien arrêté en plein milieu, quoi. Après, la fin d'Adar, ça les ralentit de fou. Hein. Ah, putain, la fireball là-dedans, tu vas t'amuser. Pourquoi beau? Non! Pourtant, j'ai fait contre-sort. Ouais, mais ça devait pas être le bon level. Putain, s'il me tape dessus. Bon, après, je m'en fous, mais. J'ai fait un contre-sort de niveau 5. Pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai plus 27. Quoi? Ouh, heureusement que t'as... Il va où, ce con? À côté de moi. Attends, du coup... Ah ouais, il a l'hypersensibilité au soleil.
La créature prend 20 points de dégâts s'il commence le tour illuminé, il a des avantages. Attends, parce que du coup je vais aller décocher le fait que ça le repousse. Ok, il me reste encore beaucoup de... Non, il reste pas beaucoup de déplacements. Hop là. Oh, ça aurait été beau. Y'a moyen que tu me réveilles ou pas en étant à côté? Faire une aide? Non, je sais pas. Ouais, mais je sais pas si aide ça me. Ah, si, je peux. Ouais. Ah, ouais. Non, cette cible ne peut pas être aidée. Bah, je sais pas, y'a écrit sur le truc sleeping. J'entends bien, mais y'a marqué là quand je suis en train de cliquer sur aide, y'a marqué cette cible ne peut pas être aidée quand je suis sur toi. Ok. Donc, manifestement, non. Oui, parce que il est en concentration le grince-dent. Ouais, elle va bien te faire foutre toi. T'inquiète, je t'ai mis un pote de dodo à côté. Ouais, c'est on fait. Mais non. Allez hein. Ciao bye le con là. Ah bah ça l'a réveillé. Aïe. Bah tu t'es pas réveillé. Ah bah non non non, l'autre est en concentration. Mais de toute façon moi c'est bien hein, tous les grands combats dantesques en général je le passe à lécher le sol donc. La boule de feu, la boule de feu, la boule de feu. Mais boule de feu de... De niveau 6 là. Oui. Mais bah t'as pas un autre spell qui fait de la voix là? J'ai une chaîne d'éclair. Oh bah oh. Voilà. Oh ça a l'air sympa ça, y'a moyen de se moyenner là. Ça va peut-être que toucher quelqu'un qui voudra pas l'être. Ouais, bon. T'inquiète, de toute façon, moi je suis useless à chaque fois. Bon. Allez. Efficace. Et j'en ai buté 3 là, je crois, non? Ouais. C'est génial. Un bon petit strike. Je vais légèrement m'éloigner du bord, si ça vous gêne pas. Quand ils te tapent, ils ont une chance de te réveiller. Hein. Bah, il est mort. J'en ai tué 4. Non, mais l'avantage, c'est que t'es déjà endormi, tu peux pas être terreur en plus. Ah, bah, manifestement, si. Tu fais des cauchemars, quoi. Quel enfer. Ah, mais c'est mon bro, grince-dent là, je vais aller le défoncer, tiens. Bonjour. Allez. Oh non, immunité. Pourquoi? Mais pourquoi il tape ses potes? Pourquoi ah parce il tape qu'il... ses potes? Parce qu'il fait un sort de foudre. C'est quoi le rapport? Veut aller... Mais pour éviter que son pote soit touché. Ah il est encore. Bah putain c'est chiant, je peux toujours pas le. C'était pas une AOE hein. Oh, attendez, je vais taper grand temps là pour changer. Salut ouais, grand temps. Non, non, non. Oh putain, j'ai failli me marrer. Bon. Tu sais, si tu serais resté, là il est de nouveau présent. Merci beaucoup. Tu t'es réveillé là, c'est bon? Ouais, mais ça me fait quand même très très chier que. Avec la constite que je me tape, je me retrouve quand même. Ouais, tu vois, t'es terrorisé quand même, hein. Il a fait un petit cauchemar, le nain. Ah, oh. Bah oui, je peux encore rien faire. Attends, c'est. Ouais, c'est ça, je peux pas prendre d'action. Bah super, allez, un bisou. Pff.
plus 11, plus 11 hein, au jet de sauvegarde, je comprends pas, ça me turbo fait chier. Ouais, bah c'était en deçà de ce que tu nous as fait au tour précédent, hein, on va pas se mentir que... Ouais. On aurait plutôt dit un paix mouillé là, ton histoire. Hein. C'était juste un trait de feu en même temps. Hein. Dabi dabi. Dabou dabi. Dabou dabi dabi. Non, vraiment pas. Hein. En fait, faut. Ça rend comme des moustiques sur une lampe, quoi. Esquive. Oh non, je vais être stun. Putain. Attends, il parle, raconte sa vie là, et puis on sait pas ce qu'il va faire. Ascension. Ah. Ah. Seigneur sinistre, le rituel a été accompli. Pardon. Ah. Pardon. Et ses attaques et ses sorts de 7 à 70 points de dégâts nécrotiques, mais comment ça? Je crois pas, non? Allô? Ouais, c'est... Allô? Ah. Bon, il est temps de le... Il est temps de le défoncer, lui. J'aurais après, essayé. Là, maintenant, il a 22 de, d'AC aussi. Hein. Il fallait peut-être focus les gens qui étaient en... dans le rituel, en fait. Bah, peut-être, ouais. Oups. Nimpo invocation. Ouais. C'est que ça devrait. Ça se demandait. Oh non ! Oh non, j'ai été terrorisé. On se fait pas. Attends, mais en plus, c'est un jet de sagesse. Oh, mais les gars. Cherche pas, cherche pas. Moi, ça me fait profondément chier. Hein. Les trucs à chaque fois, on les fail. Bon, c'est plus trop rigolo. C'est pas une difficulté, je trouve ça. Attends, mais j'ai fait combien en plus sur l'échec là? 2. Je crois que je suis mort. Ah oui, mais quand. T'es mouru là? Attends, je ressuscitationne. Bon. Ah, je l'avais oublié lui. Tu jettes la popo de soin, tu as le reste? Ah oui, j'avoue. Est-ce que j'ai encore une vie? Pas de récup, ouais, voilà. Bon. Ouais. Il faudrait essayer de finir le grince-dent déjà. Ouais, ouais, c'est le but. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, on va pas se mentir. Mais là, ça commence à devenir un peu compliqué en termes de. Ah mais c'est une action de faire ça, vas-y ça saoule. Putain, rééquiper une arme c'est une action quoi. Bon.
Bon, écoute, on va faire ça, c'est pas grave, de toute façon, on en est pas assez après. Ouais, ouais, elle va bien te faire foutre. C'est bon, bon, toi aussi, tu j'esquive. Bon, j'esquive pas, mais c'est pas grave. Bon, grince-dents, adieu. Voilà, ça c'est fait. Non, parlons plus. Il avait un bâton de merde, Youpix. Sur ce, je ne sais pas. On va aller prendre là. Survivante elle, hein. Pourquoi je me suis rapproché d'elle? On sait ou pas? Quelqu'un... Non, parce que là je suis paralysé maintenant. Ouais. Il est que 16 PV, c'est nul. Tu peux jouer toi Mudmir ou pas? Non, je fail tous mes jets de... Tous mes jets de... J'ai tout pas réussi, terrorisé. Alors du coup, on n'a pas entendu ce qu'a dit Mudmir. Non, non, bah je fail tous mes jets de sauvegarde contre la terreur, donc... C'est bon, t'as réussi là. Ah ouais, enfin. C'est à la fin du tour. Et il est passé où le Vioque là? Il est là. Il est dans la fin d'Adar, il y allait tout seul comme un grand quoi. Ouais. Ouais, super, des coups critiques sur ma gueule là, merci. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Allez. Voilà. Super, merci, ouais. Enchanté. Tu fais buter par des chauves-souris de mort. Mais il regagne 100 PV par tour. 100 PV par tour. Ouais. Ouais, c'est mal engagé, hein. On va pas se mentir. C'est qu'un peu flinguer le loup-garou qui est devant moi. Quand je ça pourrais jouer. Je viens déjà de flinguer celui qui était devant mon myrmidon, hein. Je vais pas pouvoir tout faire. Bon, attends, hop, alors je vais faire ça. Je vais réactiver ça. Et chou. Il est plus sensible à la lumière. Ah bah là c'est le principe. Ah oui, ouais, ça veut dire qu'il regagne 100 PV par tour, de toute façon. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire 300 PV de dégâts en un seul tour, quoi. Ouais. Ah, c'est jouable, hein. Bah là, ça va être compliqué. Allez. Ah, sauf si, ouais, ils finissent. Manifestement, je ne joue plus. Putain, je vais bien te save. Ah non, mais je suis mort, là. Il est mort. Ah. Attends. Fin de tournage pour moi, les gars. Non, mais dans mon sac, je dois avoir un pare-chaudrez. J'en ai dans mon sac. Ouais, j'en ai. Oh merde, quel con. Ah non. Alors. Est-ce que j'aurais pas moyen de le pousser dans le vide? Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais moi, je veux son loot, hein. Tu veux que je te mette où? De l'autre côté de l'AOE ou à côté de moi? Ah, est-ce que tu veux que je te mette à côté du sarcophage? Là, hein. Vas-y, ping. Là, je vais mettre une petite image miroir. Non, je peux te mettre là si jamais. Vas-y, mets-moi là, ça sera pas mal. Bon, je vais me faire taper par le mec qui est dans le truc, mais. Bah, c'est pour ça, si tu veux, ouais, je te mets à côté du sarcophage. Tente là, ça sera bien. Ah, moi, je vais me faire one shot, hein, moi, je le dis. Bon, bah voilà, j'ai passé mon tour, hop. Merci. Pas de rien, t'as essayé de me laisser jouer, donc je te rends l'appareil quand même. Ah ouais, venez, give it to me les mecs. Le combat là, effectivement, il est mal engagé. Hein. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et on lui fait 3 points de dégâts à chaque fois. Wouah. Ok. Ah le bâtard. Ah l'enculé. Et si par contre, ce serait bien qu'il arrête de se barrer Celle-là, on va avoir le droit de l'arrêter là et de la recommencer. C'est la première défaite qu'on subit depuis très longtemps. Bah non, mais enfin là, on peut te raison quand. Non, mais est-ce que lui, on peut lui faire quelque chose déjà? Ah, on peut essayer quand même. Bon. Enfin, c'est comme vous voulez, après, on peut recommencer le combat. Mais... Ah, d'ailleurs, vu que je suis mort, mon invocation a disparu aussi. Vu que là, tu t'es silence, tu peux pas le reste, je crois. Déjà, lui, il est mouru.
l'instant, je suis. Et où est-ce qu'il m'a poussé en plus l'autre? Dans le gouffre. Attends. J'aurais pas une fiole de. Ils ont combien de PV hein? Ouais, c'est bien ce que je pense, hein. Il m'a balancé dans le vide. Non, mais regarde, il y a une. Si, ouais, il y a. Si, là, tu peux être là. Hein? Attends. Hein? Attends, quoi? Pourquoi je l'ai pas tapé là? Attends, je regarde si je peux 13. Puis. Pop! Pop! Ah non, je peux pas. Bon, on essaye, hein. Sur malentendu. Eh là, super, allez, bien, bisous. Hein. Ah, au moins, il peut pas rester en forme. Allez, je te raise. Attends, je vais faire la dernière petite de. Non, je prends tu l'action. Tu veux que je te pose où, Arda? Pas dans le silence? Oui, d'accord, mais genre là-bas, ça te va? Oui. Et je vais faire de la. Qu'est-ce que je peux faire? Oh. Est-ce que je peux tuer la chauve-souris ou pas? Non, putain, quel con! Ah, j'écoute la mauvaise arme. Oh, fais chier. Bon, j'ai tenté de l'enchevêtrer, ça n'a pas fonctionné. On peut toujours recommencer le combat. Je dis ça, je dis rien. Bah après, là, il y a plus que lui, donc en soi, ça devrait aller mieux maintenant. Je sais pas parce que moi je me fais one shot à chaque fois qu'il m'attaque. Il suffit qu'il t'attaque pas. Je pense qu'il va quand même me viser en priorité hein. Ah pas bah forcément. Bon. Ah mais le grinzant là début du combat il a été bien casse-couille hein. Je vais pas mentir que si on recommence là je turbo fonce sur l'autre débile et je lui casse les dents. Vas-y, mais échec critique quoi. Ah, mais c'est vrai qu'il se soigne sans PV et que du coup. Ah, tu vas regarder, c'est pas sur toi. Ah, si. J'ai rien dit. Bon, bah attends, je vais te jeter une petite potion de foin. Eh, regardez, hein, j'aurais peut-être dû rester cleric finalement. J'y vais, t'inquiète. J'essaie de lui taper dessus alors. Il est passé où ce con? Derrière le poteau. Derrière le poteau. Bon. Il est où là? Derrière le poteau, mais faudrait qu'on l'attire tous. C'est vrai que j'ai pas d'armes. Pas très pratique pour se battre. Mais là, si on est à côté, on va se prendre une boule de feu là. Attends. Ah! Bien joué. Ah oh, putain! Oh yes, Katox, t'es dedans. C'est quoi ça? Hein ça fait 4 dés de radiant de plus. Pourquoi pas? Mais moi, c'est bon, je peux faire autre chose. Je vais essayer de me décaler un peu pour prendre, enfin pour pas potentiellement pas être dans la boule de feu. Tu peux faire un truc, Arda? Potion. Bon. Bon alors attendez. Vous
laissez-le dans le vide. Mais non, jamais de la vie. Enfin. Malotru. Faut que tu passes ton tour, Arda. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais il est chiant, là. Eh, hey, je suis pas mort. Putain. Ah mais j'ai dû esquiver. Incroyable. Bon alors, Arda. Qu'est-ce que t'as dans tes besaces qu'on peut utiliser contre Jackie la frite là-bas? Moi, je vais être un poids mort jusqu'à la fin de ce combat. Pourquoi? Je passe mon temps à mourir à chaque tour, donc je ne fais strictement rien à part consommer des potions dans l'espoir de survivre. Je connais cette théorie. Plus 2 PV, bah c'est bien ça. Ouais, désolé, je fais ce que je peux. Non mais une fois de plus, je vais servir à rien. Si on fait ça, peut-être que si on le silence, il va arrêter de nous faire chier. Ah, faut avoir le silence. Allez, tiens, prends ça du con. Balancez-le dans le vide. Et non, on veut son loot. Mais c'est de la merde son loot, ça sert à rien, faut juste le buter. Moi je veux son loot. Qu'est-ce que quoi? Bien joué, Katox. Mais ils sont lourds. Bon. Oh, je suis déçu. Ouais, c'est un vampire, hein, il vole, hein, donc bon. Oh, en plus je l'ai empoisonné. Oh. Il est silence là pendant un tour et Ah, il a une immunité aux dégâts de tonnerre. Ah oui, parce qu'il est silence. Attends, mais comment ça sélectionner le variant? Moi je veux bien, mais... Donnez-moi le sort que je puisse le sélectionner, les gars. Ah non mais attends. Oh là là, mais entre 16 et 40 PV j'en récupère quoi? 29, c'est nul. T'as fini de te plaindre. Bah c'est déjà une bonne moyenne. Bah c'est au-dessus de la moyenne. C'est quoi ça? Y'a un nuage nauséabond? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh attends, je peux faire ça. Passer dans le nuage de Géabon, je vais encore prendre des dégâts. Ah, je suis plus dans l'aura du croisé, fuck! Alors en fait, il était pas de base, mais vu que c'est ça file 1 à 4 D4 par attaque de mêlée, je crois. Ah non, putain, oui, si c'est ça, c'est les jets d'attaque d'armes qui infligent 1 à 4 dégâts radiants en plus. Putain, ah non, ça va, c'est... Je vais pouvoir jouer avec Jackie l'élémentaire au tour prochain. Bon les gars, est-ce que vous avez compris votre souffrance ou pas encore? Ah bah attends, pour une fois il est pas loin de moi, donc peut-être que je vais pouvoir commencer à lui taper dessus. Tu lui feras pas 300 PV. Ah je sais pas, j'ai pas l'impression, ouais. Il fera pas stamper non plus. Ah non, bah, au premier tour j'aurais pu effectivement lui faire la bagarre, mais là ouais, ça va être complexe. Je dis, si on le bloque un peu, peut-être que... Bah non, il peut se TP en volant. Manifestement, il n'y a pas besoin. Bon, allez, on recommence. Ouais, fin de tournage, hein. Ça fait 10 minutes que je vous le dis. Oui, bah, bon bah... on peut essayer. Mais c'était mathématiquement pas possible. Mais... Si. Ah bah non, vu comment c'était démarré, c'était très mal barré. Ouais, pas faux. Bah, let's go, hein, recharge. Bon bah, des bisous d'abord. Ouais, c'est où? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas pris une branlée, tiens. Ouais, ça faisait clair.
Ah ouais, moi je suis pas mort hein. Pour l'instant.